On me dit en fait de garder Loza, mais c'est... Ouh là là. Alors là, les amis, Shank. Salut, j'ai la chef. Shank, les amis, là. Aïe. Shank, ça va faire mal. Shank, ça va être un colis énervé. J'espère ne pas rager, mais quand je vois ça crie... Bah, déjà, rien que fait Kaosa. Bouh. Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui encore une fois du Coliseum, évidemment j'adore ça, surtout justement avec la nouvelle compo. D'ailleurs vous avez pu voir mes deux précédentes vidéos que franchement la compo se porte vraiment plutôt bien. Moi j'aime bien vraiment compo effectivement très puissante, encore plus dans le sens où mes trois persos ont au moins 30% résist all. Du coup bah c'est très compliqué à tuer, sachant que bah en fait déjà rien que si vous avez on va dire une team, enfin trois persos qui ont déjà 30 à 40% all, qui tapent fort, qui sont entre guillemets hein, optimisés, si en plus vous rajoutez cela que dans cette compo vous avez un Eka Flip, un Oza donc une classe pilier plus un Sacri donc une seconde classe pilier, ça fait une compo double classe pilier plus Eka Flip, chance d'Eka Flip entre guillemets, hein. L'érosion, le rock c'est énorme, contre-coup, sachant qu'en plus l'Eka Flip n'est pas full air, il est un petit peu entre guillemets multi-élément, donc c'est vraiment parfait. Du coup bah je garde en fait hein, ce stuff là, bon, plutôt nickel. D'ailleurs justement dans la dernière vidéo, l'achat de stuff, on m'avait dit que effectivement le bonus de la panoplie, 50 agi, 15 dommages air, bon. Le truc c'est que le gant du ventelé machin là ça coûte vraiment super cher, ça coûte bah, entre 40 et 50 millions sans exopm. Moi j'ai envie de dire non merci. Alors après effectivement je pourrais mettre l'exopm je sais pas sur la cape, ouah, ça serait plutôt compliqué. Peut-être la ceinture du strigine, mais bon après j'ai pas envie d'avoir des jets dégueulasses quoi. En tout cas voilà, d'ailleurs ça c'est pas censé être une coiffe qui donne un PA logiquement, non. Non, bah je confonds sans doute la recette. Ouais, je confonds, mais bon, ça donne vraiment de très belles résistances. En tout cas, je vous dis à tout de suite parce que le colis, j'ai l'impression qu'ils veulent pas me le donner. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on est quand même un samedi après-midi. Ah, voilà, bon, il fallait que je relance. En tout cas, bon, d'ailleurs, justement, les amis, je me demande, est-ce que un seul perso et type ça suffit? Et franchement, le perso type que j'ai envie de garder, c'est vraiment le Sacri. Moi, on me dit en fait de garder Loza, mais c'est... Ouh là là. Alors là, les amis, Shank. Salut, j'ai la chef. Shank, les amis, là. Aïe. Shank, ça va faire mal. Shank, ça va être un colis énervé. J'espère ne pas rager, mais quand je vois Sacri... Bah, déjà, rien que fait Kaosa. Bouh. Et quand en plus, je vois un Sacri... Bouh. Non, vraiment, Feka. Ouh là là, horrible. Horrible Feka. Mais bon, on va devoir la jouer comme ça, malheureusement. Enfin, malheureusement, entre autres. Mais on va essayer de la jouer bien comme il faut. D'ailleurs, bon, ils ont une bonne initiative moyenne. Hein. Alors. Sacri résistance, correct. Oza résistance, bof. Feka résistance, bof. Ouh là là. Je sens le Feka full retrait. Ouais, Feka full retrait PAPM, Strigid Glourson, Sacri, Strigid... Mais quoi? Quoi? Attendez. Zeus? Strigid Glourson? Tu n'as pas honte? Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous en Strigid Glourson, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Rempart, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous faut? Franchement, grade 7, grade 8, grade 7, grade 8, je sais pas, grade 8, je pense, plutôt. Ça m'en a pas vraiment l'air. Mais bon, en tout cas, les amis, on va tout faire pour gagner parce que, bah, il faut savoir que si je fais, attendez, je regarde s'il y a des types. Non, en théorie, ils sont tous en Glourson, comme corps à corps, en tout cas.
Osa, pas en Strigiblurson, mais sacré 8 Strigiblurson, hein, classique, avec une coiffe plutôt étrange, je ne sais pas c'est laquelle. Feka, par contre, il a très peu de points de vie. Bah, en fait, en réalité, il a raison. J'ai pas envie de critiquer l'adversaire, mais il a raison. Pourquoi? C'est simple, en fait. Quand vous avez un Sacri, quand vous avez un Osa, ce sont deux classes, certes, qui sont soutien avant tout. D'ailleurs, très bien joué de sa part. Il invoque un double dès maintenant. En plus, il est 12 PA. Oh, le salaud. Oh là là. Oh, le salaud. D'ailleurs, je pense que je vais le tuer. Hein. Je vais le tuer maintenant. Parce que sinon... Je me demande si je fais le kill. Il y a moyen que je fasse le kill. Oh là là, elle pue de double. Allez, toi, tu dégages. Voilà, bon, j'ai fait quelque chose. J'ai pas envie de... Non, parce qu'après, il y aura ces glyphes là. Faut à tout prix que je garde mes distances avec ces glyphes. Donc les amis, bon, si j'ai pas... On va dire présenter la compo en face. Donc alors Sacritaire déjà. Ok ouais, Sacritaire. Eh bah non, je pense qu'il est clairement multi. Mais s'il est multi, c'est con pour lui parce qu'il va prendre tellement d'érosion le pauvre. En tout cas les amis, bah moi franchement les amis, bon, si je fais du colis, c'est pas pour que ça soit trop facile. Même si effectivement les classes que je prends, on va dire, me donnent largement l'avantage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant attendez, bon, vu qu'il y a rempart, ça sert absolument à rien de... Donc, d'invoquer un... Là, les amis, faut vraiment se disperser parce qu'avec ces glyphes à la con, je connais les Feka, hein, ils vous balancent des glyphes de ouf. Et du coup, bah, je vous disais, voilà, donc, allez, vas-y, aveuglement. Ouh là là, quoique... Si, ouais, voilà, voilà, ça c'était sûr. C'est pour ça que je voulais pas rester là, mais bon. Mais c'est pas très grave, hein. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, on va balancer de l'érosion directement. Je vais peut-être taper maintenant. Je suis même pas sûr de vouloir taper maintenant. Voilà, bon, j'ai. Ouais, en plus, ça m'enlève de la portée carrément. Bah clairement là je sais pas quoi faire, je pense que je vais me booster. Non franchement je... Puis je vais... Non mais je me booste parce qu'en fait en réalité... c'est pas que j'ai envie de dire j'ai pas trop le choix, c'est faux, j'ai le choix. Où est-ce que je rush... Enfin en fait le problème c'est que... Si je serais parti rusher et qu'il y a rempart et qu'en plus il y a crapaud derrière, un Osa sacré, ça va être le bordel. Là il faut vraiment, si j'ai envie de gagner, il faut que je gère ce colis un maximum. Et là pour le moment ça joue plutôt bien, même si fait qu'un premier rempart, du coup c'est cool. Prochain, ouais bon, là voilà, voilà, c'est ce que je dis. Par contre franchement il a beaucoup de points de vie donc ok, ça franchement oui. J'ai l'impression d'avoir Vidéofus devant moi là qui joue full invoque, c'est... Oh là là. Oh. Et en plus il est sous rempart, hein. C'est quand même pour vous dire. J'hésite en fait. Je pense que je vais modo. Le problème c'est que j'ai peur que l'Osa vienne me debuff parce que j'aurai 16 PA et ça serait un gros problème. Il va cop mon Osa, voilà, ça c'était sûr. Maintenant il faut... Ça me dérange pas en fait qu'il ait fait ça, ça me dérange même pas vraiment parce que pire il y aura le sacrifice. Moi ce dont j'ai envie de faire là c'est clairement c'est le bouffe tout. Regardez, hein. Bouffe tout, crapaud, Raznat, Kawad derrière. Comme ça, je bloque l'Osa, pas de debuff. Ça serait vraiment le truc à faire. J'espère que je le bloque, en tout cas. Donc, bouffe tout. Ah, parfait.
Crapaud. Reznat. Et puis à la limite, ouais, bah c'est parfait en fait. Non, je peux carrément me coller ici. Et c'est ce que je vais faire. Je sais juste pas quoi invoquer à la limite là. Bon, on va faire ça. Comme ça, je le bloque bien comme il faut. Et ensuite, go, Sacri, maintenant, il n'a pas d'héros. Et je vous assure que Sacri, il va manger d'une puissance phénoménale. Le Feka, je vais le laisser. Tu peux rester là, ça me dérange pas. Je vais sacrifier. Je me demande en fait si je sacrifie maintenant. Ça tape pas aussi fort que je le pensais. Ouais. Bah, mon but en fait, ça va être tuer clairement le Sacri en first. Avec full érosion. Ah, je vous assure, il va prendre cher. En fait, je reste là, c'est pas pour le pied du sacré, je sais qu'il va me taper avec le pied du sacré, c'est juste que j'ai pas envie que Loza me débuffe au cas où. Mais normalement, ça va passer crème. Donc moi, oh là là, ce qu'il va prendre, le pauvre, ce qu'il va prendre, ça va être magnifique. Je sais même pas si je vais le taper avec... Voilà, c'est parfait, nickel, chrome. En plus, j'ai même pas encore sorti sacrifice, donc... Oh, il a mal joué. Peut-être pas. Non, franchement, s'il colle Loza, même pas. Ouais, il a passé son tour. Ah, ça va être énorme. Oh là là. Tout simplement énorme. Loza, c'est possible que je le perde. Hein. Ça va être compliqué pour mon Loza, effectivement. Peut-être que j'aurais peut-être dû le changer, je sais pas. Bon, ça fuit, d'accord. Tant mieux, j'aurai un focus sur tout le monde. Frappe du Kraki, frappe du Kraki. Mon Oza va tomber. Tant pis pour lui. Ça fait mal hein, quand même. Ça fait mal. Ouais, mon Oza qui tombe, ça me fait chier. En plus, je peux pas. Enfin, je peux que personne. Pas. Bah, s'il tombe pas, pour moi, c'est juste nickel. Bon, je sais pas, je me fais tacler par qui? Par son double, a priori. Bon, je vais détour.
priori ça ne marche pas. Ça non plus, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Rempart encore, c'est pas possible. Il a rempart, non mais c'est infernal l'effet qu'il a. Bon, qui c'est qui est mort? Moi, il tapait un petit peu dans le tas. Moi, je pense que je vais aller rusher d'une puissance phénoménale sur le Saki. Là il faut bien que je joue parce que mais non c'est en fait il est vraiment très très bête parce que ça fera pas de dommage de pousser puisqu'il y a le glyphe gravita très mal joué de sa part extrêmement mal joué. Donc, alors, je vais même carrément. Balancer des. Vu qu'il est sous érosion, donc autant le taper un max. Moi, ensuite, avec la sacri, bah, je vais me faire un grand plaisir. Je vais sans doute. Claquer un coup des types, attendez, Flammy, ouais, boum, coup des types, et sacrifier, c'est parfait. Ah, en tout cas, combat plutôt compliqué, on peut le voir. Qu'est-ce que ça veut faire? Une petite libée. Non, même pas, ça tape plutôt fort. Ouais non là c'est mon Oza qui joue, je pensais que ça allait être quelqu'un d'autre, mais a priori non même pas. Allez Sporty. Oh là là, ça fait mal. Hein. Ça fait vraiment très très mal. Et un coup des types, boum boum boum. Ah, il va faire le kill avec la libé. Il va faire le kill avec la libé. Et franchement, s'il fait le kill... Non. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'il crape au Reznat, mais... Je sens qu'il va bien le faire. Hein. De toute façon, j'ai de l'étype aussi. Oh le salaud, c'est pas possible de faire ça. Oh là là. Et franchement, c'est un chaffeur quoi qui gâche tout en fait. C'est ça le truc. Oh là là. Oi 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 oi. Oh le pauvre. Le pauvre chou. Ouais. Mais bon, il y aura crapaud Reznat, ça va me faire chier ça. Et franchement, je pense les amis, on vient de trouver une compo encore plus horrible que la mienne. Bah vous rajoutez un F4 dedans. Hey. On est tour 5 donc je le finis. Il a pas fait d'héro. Très mal joué de sa part. Super. Plus de sacri, c'est terminé. Aïe aïe aïe. Tout ça pour crapaud Reznat. Ah, il a rempart. Il a rempart. C'est pas sûr que je fasse le kill. Ouais, en plus je suis plus boosté donc. Ah, j'ai 14 PA. Ouais, logiquement ça fait le kill. Oh là là, allez, allez, ciao. Ah là là, ça fait du bien.
Bon, je vais balancer ça. En plus, je ne suis absolument pas bloqué. Coup des types. Et bien finalement, je m'en sors très très bien. Petit crapaud. Ouais, j'aurais peut-être du crapaud avant. Bon, c'est pas terminé, mais j'ai fait le plus dur en tuant le sacrieur, le pauvre. En plus, oh là là, double type, c'est vraiment énorme, les amis. Le bouffetout là, il est à lui, donc je vais sans doute pouvoir le bloquer, c'est cool. Peut-être un petit coup des types, mais je sais pas sur qui. Donc a priori, il esquive la paire de 4 PM, d'accord, bon, pourquoi pas. Hein. Ouais, j'ai une pupu, c'est parfait, je vais pouvoir pupu Loza. Oh, le fail! Magnifique. Magnifique fail. Bon, il pense qu'il va sans doute pouvoir. Oh là là, la pièce. Oh là là, c'est vraiment infernal. Et la pupille du siècle, allez. Bang. Oh là là. Et franchement, les amis, je suis plutôt content là de ce colis. Colis plutôt énorme. Et ils vont prendre cher, hein, les pauvres. J'hésite à chance. Ah, par contre, je le bloque pas. Et les pauvres, en fait, ils ont focus Monoza pendant toute la game. Et bah, ils ont même pas réussi à le faire tomber. Mais c'était pas loin, c'était vraiment pas loin. Peut-être une kill libé, je sais pas. Peut-être un kill libé, mais. Ah, merci là pour la zone en tout cas. En plus, j'ai encore Odora, donc c'est parfait. Il faut que je fasse attention à ma Vita, c'est vrai. Non, non, clairement, ça ne sert à rien ce que tu fais là. Puisque quoi qu'il arrive, et en plus je vais pouvoir être... Oh, calme-toi. Non, il va me debuff. C'est pas grave. J'avoue que leurs invoques, ça fait juste extrêmement chier. Et bang, bang. Oh là là. Et j'adore. J'adore. Et on va encore balancer. Bah non, allez, vous savez quoi, je pense que je vais balancer ça, ça et puis ça. Ah, par contre, ils ont le 2 coco. Hein. Ça ne rigole plus. Mais il faut que je fasse attention en fait. Voilà, vas-y, balance tous tes trucs. De toute manière, je vais encore balancer un coup des types. Ça me dérange pas. Hein. N'importe quoi. Il s'enlève des paires même à lui-même. Et ça tape. Ça tape, ça tape, ça tape. Oh là là. Je pense que le titre de cette vidéo, ça va être l'abus de l'étype. Parce que là, c'est infernal. Là, clairement, je pense que... De toute façon, là, je vais le chance et... Ils pourront plus trop le taper, en fait, les pauvres. Je pense qu'il va bouger, mais bon. Je vais chance. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bouclier Feka, j'ai l'impression que le Feka ne connaît pas. Putain, la vache, ça fait déjà quasiment 30 minutes. Bon, petit coup de chance, ça va faire du bien à tout le monde. Ça va faire du bien à tout le monde. Allez, c'est parti. J'ai encore des paires en moins, mais bon, c'est comme ça. Chance des cafés. Boum. Oh, en plus. Carrément, je le soigne. Oh là là, allez. Allez. Ça l'apprendra à... Attendez, c'est pas terminé. En griffe spectrale, est-ce que je finis? Non. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien.
Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et franchement, encore un coup des types, ça vous dit les amis. Non respect. Du début à la fin, c'est du non respect. Non franchement, j'ai kiffé ce colis. En toute manière, oh, si je le bloque un peu, donc c'est cool. Un colis bien, bien serré, hein, comme vous les aimez. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Bah, comme j'ai dit, en fait, depuis, enfin, dès le début de la vidéo, je vous avais dit que ça allait être un colis serré, dans le sens où, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, what, qu'est-ce que c'est que ça? Encore du debuff. Mais bon, ouais, c'est vrai que, bah, en fait, ça crie, déjà rien que ça crie Osa, comment c'est balèze. Alors si vous rajoutez un Feka qui fout le retrait, voilà quoi, c'est compliqué à gérer. Bon, je vais quasiment pouvoir le finir, genre il m'enlève 2 PA, comme si c'était normal. Le coup. Ouais non, j'ai pas envie des types. J'ai envie de le tuer avec Massacri, tiens. Allez, en pupu. Allez, GG, hein, bah, colis que j'ai plutôt bien aimé. Une pupu, oh là là, 1400. Mais c'est vrai que la compo en face était... Ah, c'était une compo, voilà, une compo un petit peu comme la mienne, mais je trouve pire, parce que pour moi, Feka, ça reste quand même pire qu'Ekaflip, c'est la vérité. Bon, après, il y a des personnes qui, on va dire, ont un avis différent, et je le comprends tout à fait. En tout cas, les amis, j'espère que ce colis vous a plu. En tout cas, franchement, moi, il m'a vraiment beaucoup plu. C'était un colis serré, comme, d'ailleurs, tous les colis que j'ai pu vous proposer, ça fait maintenant 2-3 jours. Les 3 vidéos colis que je vous ai proposé, franchement, il n'y avait pas un seul colis où c'était de l'auto-win dès le début. Même si, effectivement, au début, j'ai quand même un avantage assez conséquent. Le fait que le gameplay, on va dire, joue justement sur la victoire, c'est logique, et eh bien, ça reste quand même serré. En tout cas, les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à lâcher un like pour de nouvelles aventures. Je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars.